Bonjour, je suis Gisèle Baca, votre tati Gisou, que vous avez nommé Sourire, si vous nommez Sourire, Sourire, Amour, Amour. Dans ma prime jeunesse, j'ai eu de grandes blessures. J'ai perdu ma maman. Ma maman est morte à 42 ans, sans compter les autres blessures personnelles que j'ai eues dans la jeune adolescente que j'étais. Je suis allé à l'examen des PTT pour partir à Paris. Et j'ai travaillé dans les PTT, pas longtemps, hein, 2 ou 3 ans, parce que je crois que l'artiste, la vraie artiste, naît artiste, N-A-I-N-T. On est artiste. On peut devenir artiste, mais je crois qu'on est artiste. Et j'ai toujours chanté. Depuis toute petite, je regardais les nuages et je chantais pour les nuages. Dans ma commune de Saint-Joseph, je regardais les nuages. Et puis de là, j'ai eu l'occasion de sortir, d'aller une fois, je crois, dans un bal, et d'avoir voulu monter à l'orchestre. Je suis monté à l'orchestre. Il y avait Robert Mavuzzi qui m'a entendu. J'ai joué d'abord dans Sud de Julien Green pour jouer dans une pièce avec Jean Mercure, Les Nègres de Jean Genet. Et j'ai connu Toto Bissainte, Robert Liensol, notre ami Bachir Touré, tout ce monde-là. Et puis, mais ça a été une longue bataille parce qu'on ne nous reconnaissait pas comme artistes. Nous étions des espèces de saltimbanques pour eux. Et en France, nous étions, quand il y avait un grand rôle pour l'artiste noir, on teignait carrément un artiste blanc en noir pour jouer les grands rôles. Mais on ne nous prenait que lorsqu'il y avait des rôles de serviteurs ou de gens stupides et naïfs. Je ne suis pas d'accord, j'en rousse peut-être autant. Sortie de l'Afrique, nous avons été dispatchés entre 3 diasporas, l'anglo-américaine, où la musique noire américaine s'est imposée dans le monde entier. La diaspora hispanophone, la musique cubaine s'est imposée dans le monde entier, boléro, rumba, tout ce qu'on veut. Et notre musique francophone, Biguine Mazouka, n'a jamais pu s'imposer dans le monde. Ça vient du comportement de nos colonisateurs et de notre propre comportement aussi. Parce que jusqu'ici, nous présentons la Biguine et la Mazouka toujours en tenue traditionnelle. Alors que le cubain va présenter son cha-cha-cha, son salsa, sa salsa en tenue moderne, en jupe courte, tout ça. Mais toujours, nous présentons nos rites en tenue traditionnelle. Il y a ça. Et puis alors, je voudrais aussi que nous ayons plus de considération pour nous. Ça serait trop long à expliquer. Mais comme si nous avons le mépris de nous-mêmes. Nous, les Noirs francophones, hein, depuis Saint-Bagay-Antillais, Saint-Bagay-Martinique, mais non, ça n'est pas bon, tu vois. Toujours, toutes nos radios sont chargées de musique étrangère. Moi, personnellement, on n'entend plus ma musique. Pas sur toutes les ondes, sur certaines radios, on n'entend plus. Et je voudrais quand même que ce dilemme soit résolu. Why, 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 why
là non c'est Jimmy Cliff. Radio mettez les billets 40 fois. 40 fois c'est pas 40 centimes. Ben nous reggae, ben nous Jimmy Cliff. C'est chien pas connaître les spectacles. Yo connaît les proches, yo plein l'argent. Les yo ouais c'est mon pas pour ça. Yo dit Jimmy Lo, c'est où qui pas bon. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. La jette pas dans ma case, c'est chaud. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Cliff qui a chanté 6 morceaux. Chaque morceau il a coûté 1 million. Oui, chanté pendant 60 minutes. Chaque morceau a pas coûté 600 francs. Pour moi même faut qu'agir sans pitié. Faut que tu yo crasé yo brûlé yo. Prends l'affaire à nos mains dans nos mains. Et puis y'a Milo qui ni motivation. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. La j'ai pas la magasse, la j'ai pas la magasse. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. La j'ai pas la magasse, la j'ai pas la magasse. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. La j'ai pas la magasse, la j'ai pas la magasse. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Jimmy Lo, Jimmy Lo. Les compatriotes se rendent compte de cette méchanceté, de cette chose qui m'est faite, parce que je pense que j'ai aidé. J'ai été à l'origine du Théâtre Noir de Paris. C'est moi qui ai fait créer le Chœur Bouliki de Saint-Joseph. Et même sur une autre chaîne, je suis à l'origine du Crabe d'Or. Et je continue toujours de me battre, que je sois comme ça. Non seulement que nous ne soyons pas reconnus, nos rythmes ne soient pas reconnus par le monde ni par nous-mêmes, mais qu'en plus, dès que nous prenons un certain âge, que nous soyons rejetés, qu'on nous envoie mourir. Regardez, c'est Pompey Segundo. À 90 ans, il était honoré comme n'importe quel jeune artiste cubain. Et Armstrong et toutes les chanteuses noires américaines, que sais-je, ont été honorées jusqu'à la fin de leur vie. Nous manquons de courage entre nous-mêmes. Je pense que des gens auraient dû constater qu'une méchanceté m'est faite dans mon propre pays. Toi tu le sais, toi et moi explorons les domaines sexuels en semi-scène. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Juste nos corps en feu, que de moments divins, incompréhensibles par des tables ou par des mots. Inutile serait ma tentative dans ce micro où tu es la braise, réchauffant mes rêves, me montrant la route. Maintenant et toujours, j'y pense. Oh, chante à mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie.
voici la sœur de mon âme, c'est toi. Le flot des caresses éveille les réflexes. Avec allégresse et avec tendresse, beaucoup de finesse. L'ascension à la septième vitesse, relax. C'est l'amour qui est au max. Les relations humaines pour seule taxe, causées par des sentiments. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Âme et corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme. C'est toi. Si je suis une artiste noire, c'était plutôt, je crois, en 59. Hein. Et puis alors, ça m'a fait... J'ai été reconnue par Léon Gontre-Damas, vous savez, un des pères de la négritude. C'était un grand ami qui m'a soutenue dans mes démarches. Et puis alors, mon Dieu, je sais, j'ai joué avec Jean-Louis Barrault, avec Jean Mercure, j'ai joué à l'Européen, au théâtre de l'Européen. C'est là que j'ai connu Bounou Cocatrix d'ailleurs, avec Roger Nicolas. C'est de là que j'ai connu Bounou Cocatrix, qui m'a permis de faire cette grande soirée de la négo-francophonie à l'Olympia, en avril 69, je crois, oui. 18 avril 69, qui était le jour de l'anniversaire de Martin Luther King, et pour attirer l'attention sur cette nécessité de créer un théâtre noir francophone pour qu'on sache en France que les Noirs qui parlent français ont autant de talent que les Noirs qui parlent anglais ou les Noirs qui parlent espagnol. Voilà, je n'ai pas, puis je suis revenu dans mon pays en 1979-80. J'ai été engagé à FR3. Où j'ai animé une émission qui s'appelait Retour aux sources, où j'appelais les gens à retrouver la beauté, la richesse de toutes nos valeurs, valeurs d'éducation culturelle, toutes nos valeurs. Et les gens, je constate que les gens m'ont beaucoup aimé, puisque en 2011, je crois, ils m'ont élu femme de l'année. Eh bien, ça m'a fait chaud au cœur. Il y avait toutes les grandes dames, femmes de la Martinique qui avaient été nommées. Mais moi, j'ai été élue femme de l'année, ça me fait chaud au cœur. Et l'amour que me portent les gens dans la rue, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Mais par contre, de ne pas m'entendre sur une certaine chaîne, ça me fait très mal. Je voudrais que le public martiniquais s'en rende compte et demande pourquoi, voilà. Jamais fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur. J'ai passé ma vie à faire la cour à tout un pays, mon seul grand amour. J'ai donné mes nuits pour qu'il voie le jour. Et lui aujourd'hui me snob en retour. Je t'aime comme j'aimerais jamais, fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur. Et même si tu m'aimes jamais, le ciel saura lui me combler à son heure. Passer ma vie à faire le tour de tout ce pays, mon plus bel amour.
Mais quand de l'oubli, j'appelle au secours. Lui, mon seul ami, lui, il reste sourd. Je t'aime, je comme t'aime. J'aimerai jamais. Je t'aime. Fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur. Et même je si t'aime. Tu m'aimes jamais, je t'aime. Le ciel sera lui me combler à son heure. Faut-il toujours que le grain meure pour qu'un beau jour tu vois sa fleur? Faut-il toujours que l'enfant pleure pour qu'on l'entoure de sa chaleur? Est-ce l'amour qui nous fait peur? Est-ce l'amour ou le bonheur? Je t'aime comme je n'aimerai jamais. Fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur. Et même si tu n'aimeras jamais, le ciel sera lui me combler à son heure. Au sujet de Léon Gontran Damas, je dois dire que cet homme a joué un grand rôle dans ma vie parce que j'ai fait un moment très difficile. Il revenait d'Amérique et je jouais dans une comédie musicale avec Sidney Bechet au Théâtre de l'Étoile. Et la comédie s'était arrêtée. Et il me téléphone. Et ce jour-là, j'étais sorti, je suis rentré chez moi, je suis passé au théâtre ramasser, tu sais, le maquillage, tout ça, puisque la fête était arrêtée, et j'étais dans un grand désespoir. Je suis monté chez moi, et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait d'autre que d'avaler un tube de médicaments. Et heureusement que Léon Gontran Damas m'a appelé au même moment. Il a compris que j'avais la langue lourde, que j'avais fait une bêtise, et il est venu, je peux dire que si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Léon Gontran Damas. Alors, je pense que c'est une chose importante. Il m'a toujours soutenu. Joséphine Baker, je ne la connais pas particulièrement. Je l'ai vue de loin, au loin, comme tout le monde. Pas particulièrement. Et puis, je dis donc, quand j'ai joué à l'Européen avec Roger Nicolas, de Baratin, c'est là que j'ai connu Bruno Cocatrice, à qui j'ai dit mon désespoir, et qui m'a permis de faire ce spectacle pour créer le Théâtre Noir. Je travaille, mais des fausses prêtresses m'assignent. On me critique pour me faire perdre ma place. Qui voudrait crédibiliser les responsables? Ville d'un crime infantile, idéal. Malgré toutes leurs fausses prières, Dieu est là. Bring back my son, bring back my son. Il y avait deux personnes au monde qui se permettaient de prendre la salle de l'Olympia à 22h. C'était Sammy Davis Jr. et la Kaloum, grande chanteuse grecque. C'était les deux personnes au monde qui se permettaient. Mais là, je dis, je prends. Et je vous assure, ce jour-là, je ne sais pas si c'est un centre convivant, l'Olympia était rempli de bas à haut. Quand je suis arrivé, il y avait la queue au spectacle. Il y avait deux quarts de police. Il y avait tout ce qu'on avait proposé. Un propre compatriote hein, avait promis de faire échouer ma soirée. C'est pour vous dire, c'est un contexte que j'ai lu. Bien entendu, participe. Bring back my son Travis. 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 Yeah. Bring back my son Travis. Yeah. Soutien. Yeah. Soutien.
ouais, Travis, ouais, Travis. Parce que je suis artiste, ils affichent leur caprice, mais la négo-francophonie là, nous les noirs francophones, non seulement nous ne passons pas aussi parce que nous sommes l'un contre l'autre. Non, nous ne sommes pas assez solidaires. Quand quelqu'un fait quelque chose, au lieu de soutenir, au contraire, il a fait tout ça. Je te jure que des propres compatriotes ont tout fait pour me faire m'empêcher de réaliser cette soirée. Et même quand je suis arrivé à obtenir ce théâtre noir, un compatriote m'a pris l'idée. Il s'est appelé Théâtre Noir aussi. Et quand on m'a appelé à la mairie de Paris pour me donner ce lieu, je dis justement, je savais que vous alliez m'offrir un lieu, soit Barbès, soit vers Pigalle par là, parce que dès que les gens croient qu'ils peuvent voir des Noirs, des Arabes, tout ça, c'est Pigalle et Barbès. Justement, j'avais refusé le lieu. Ce compatriote est passé derrière moi et il a pris ce théâtre qu'il a appelé Théâtre Noir, comme moi. Alors bien sûr, bien des personnes croient que c'est lui. Je trouve ça vraiment malheureux et malhonnête d'avoir pris le résultat de au moins 10 ans de lutte que j'avais déjà pratiqué. Alors, si vous voulez bien m'écrire, vous m'écrivez Gisèle Baka, 97 222 15 pilotes, ça arrivera, je vous assure, ça m'atteindra. Et alors à ce moment-là, je vous donnerai mes coordonnées. Je vous aime, je vous embrasse, votre Tati Zizou. Merci, au revoir. Merci. Ouais. Comme ça, voilà. Ou bon, nous casse-tu bon. Si sa majesté pouvait arrêter avec ses allusions, nous serions entre à voir les saisons. Froide, fraîche, humide, chaude, nous serions à la même adresse, ambiance chaude. Du sexe à la cochonne de mon cœur, du plaisir sans la valeur de l'écu. Trop de vis, je suis sur les rotules, par terre ton cul et je fais des douceurs. Mais aujourd'hui à ta face, je suis la face des conséquences. Mais aujourd'hui, tu dois faire face, je suis la face des conséquences. L'amour, la beauté, la nudité ne sont pas un jeu. Quand mon prolongement de jeu fait que tu as l'épaisseur parfaite, la taille qui fuit entre tes hanches la plus parfaite. Une sexy afro avec des lèvres qui pètent et une partie double bombée que tu me prêtes. Quand tu t'apprêtes à te la mettre, plus besoin de lunettes, elle danse ta tête, je suis ton maître. Mais aujourd'hui, tu dois faire face, je suis la face des conséquences. Mais aujourd'hui, tu dois faire face, je suis la face des conséquences. Nuit que tu es belle, fluide entre belles et tourelles, j'entrebaille la tourelle, je t'agresse sans cesse. Entre la garde des abdents et l'autre, je suis paresse. L'amour de ton corps me donne trop d'adresse, ultra diffusée. Quand tu fais signe de faiblesse, allez arrête, tu vois que je kiffe. Comme le Nick Mera, mon fils, nos collages ni émotions nous seront écartés. Mais aujourd'hui, tu dois faire face, je suis la face des conséquences. Mais aujourd'hui, tu dois faire face, je suis la face des conséquences. Tu dois être timide, mais seul. Tu
dois être celle qui a besoin de caresses. Tu dois être sainte quand tes gestuels pressent. Tu dois être susceptible comme la presse. Tu dois être l'étincelle qui bombe le torse, qui blesse. Tu dois être le tissu le plus doux que je kiffe. Tu dois être la plus belle pour mon fils. Tu dois être une de plus que je veux écarter. Mais aujourd'hui, tu dois faire face. Je suis la face des conséquences. Aujourd'hui, tu dois faire face. Je suis la face des conséquences. En Guyane française, un site d'information politique et générale. Guya Web, GUYAWEB.com. GuyaWeb.com. NM Deal propose de réaliser vos spots publicitaires, audio et audiovisuels de qualité supérieure, à bon prix. Pour tout renseignement, contactez le 06 94 22 32 40. Deal, NM Deal. En Guyane française. Un site d'information politique et générale. Guya Web, GUYAWEB.com. GuyaWeb.com. Émission, fil conducteur, émission. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Polo. Ça va bien? Oui, c'est Deal, le même Deal. Oui, le même Deal. Alors, parlez-nous du problème, parce que vous avez dit moins hors antenne. Mm-hmm. Et puis, parce que d'autres.